fait. Le premier départ, le bon, Daniel Bailey, dans le tapis, c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti, Usain Bolt. 9,58, record du monde. Usain Bolt recule les limites du monde. Ici à Berlin, cette fois il n'a pas levé les bras, il a été au bout. Et cette fois, la classe encore une fois a parlé. Usain Bolt sous les 9,60. Ils ont perdu le ballon, il a récupéré au loin, au fond. C'est bien fait. C'est bien joué. Christophe Domenici est parti. Christophe Domenici a pris le ballon. Il va passer. Essai français. Essai de Christophe Domenici, c'est un génie. Essai oui. Extraordinaire. Extraordinaire, mais bien joué de la part de Fabien Galthié. Un coup de pied dans la boîte, comme l'on dit. Un rebond favorable et Christophe Domenici qui surgit. Que c'est bien fait. 27-24 pour la France, Bernard, on rêve. Un départ énorme de Florent Manaudou. Cullen Jones, c'est l'Américain qui revient entre les deux jambes. Florent Manaudou, bras tendu. Et Florent Manaudou qui encourage son corps. Florent Manaudou qui est toujours devant avec Cullen Jones qui revient. C'est Marcelo derrière. Florent Manaudou peut-être pour aller plus loin. Allez Florent, c'est maintenant. Florent Manaudou, il va. Oh la sensation incroyable. Coup de tonnerre. Manaudou est à l'or. Ça n'est pas l'or Manaudou, c'est Florent Manaudou. Incroyable sensation. Le petit frère s'est fait un prénom. Florent Manaudou, champion olympique. Et l'or qui pleure. DRS ouvert, l'accélération vers Ascari, ce ne sera pas avant Ascari, ça ne peut qu'être après la chicane d'Ascari, il faut encore tenir, allez Pierre, il faut tenir, jusque dans les derniers instants, il reste la parabolique tout au bout là-bas, elle est loin, elle est infiniment loin cette parabolique, écarte-toi, ne le laisse pas t'aspirer. Il se met à l'intérieur, il fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est presque là, cette victoire. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly. Victoire d'AlphaTauri. La victoire française. 24 ans, 3 mois et 18 jours après Olivier Panis. Allez, Julien. Oh, ça vaut, on profite. 500 mètres à parcourir pour Julien Alaphilippe. C'est exceptionnel, exceptionnel. Ce garçon est doté d'une force mentale incroyable, d'une force physique. Il a accompli le plan qu'il avait prévu, Julien Alaphilippe. Elle est là, la ligne droite, Julien Alaphilippe, champion du monde ici à Imola. Chapeau. C'est un événement, c'est historique pour le sport français. 23 ans après Laurent Brochard, Julien Alaphilippe, champion du monde. Les Argentins qui descendent plus bas, qui sont un petit peu plus compacts. Oui, c'est passé dans le dos, le centre, Doukas. Allez. Second poteau, Pavard. Oh, oh, Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho. C'est une Pavard. Et ça permet aux Bleus, sur cette frappe somptueuse, de recoller de partout. Quel match. Quel match. De deux. Fourcade qui fait son entrée, c'est un moment historique. Martin Fourcade devient l'athlète français le plus titré au jeu. Il permet à la France de remporter une cinquième médaille d'or aux Jeux d'hiver, ce qui n'a jamais été fait. Mais surtout, il offre avec l'équipe de France et ses partenaires Marie Dorin, Anaïs Bescon et Simon Desdieux le titre mixte. C'est fabuleux. Aujourd'hui, c'est la journée de l'homme, c'est la journée de la femme, c'est surtout le soir du bonheur, le grand soir pour l'équipe de France. Allez, attention. Attaquer la Russe, là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Florian, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Eh ouais, c'est les trois favoris hein, devant. Ouais, ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là, on ne revient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Florian a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie avec toujours la possibilité pour Adeoye alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, ouais, mais la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Allez. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe.
sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Non. Hey, Patrick. Je n'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. Il reste 5 km. Il va devoir choisir son endroit pour essayer d'attaquer Lewis Hamilton. On le connaît son endroit. On le connaît, il l'a déjà attaqué tout à l'heure. Bien placé dans les échappements de la Mercedes. Hamilton. Il est sorti large, Lewis Hamilton. Oui, il va avoir beaucoup de mal. Il doit soigner, évidemment. Il y va ici, à l'intérieur. Attention, il est passé. Verstappen est passé. Il est passé. Il est en train de redevenir potentiellement champion du monde. Mais il reste une autre ligne droite, il reste une ligne droite supplémentaire. Il zigzague, il n'a pas le droit de zigzaguer, attention. Il va rester à l'intérieur, Hamilton va se porter à l'extérieur, le freinage, le dernier tour de ce championnat. Il s'est loupé, Verstappen, il s'est loupé. Et il va avoir le DRS, Hamilton va avoir le DRS. Il va rester à l'intérieur le plus longtemps possible. Il reste à l'intérieur, attention. Il défend sa position, roue contre roue. Il est toujours à l'intérieur, Verstappen. Et on est dans la partie sinueuse. Incroyable. Le titre qui va se jouer ici. C'est fou ce qu'on est en train de voir. Il est parti, Verstappen. Attention, les derniers virages. C'était à celui qui allait finir devant l'autre. Et c'est maintenant Max Verstappen. C'est fou. Dans le dernier tour de course, les derniers virages. Le dernier virage, Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen, incroyable, il est champion du monde. Mais non, mais c'est fou. Inattendu. C'est complètement fou. Surtout que Lewis Hamilton et Mercedes ont été plus rapides tout le week-end. Là. Plusieurs erreurs commises par Verstappen et en bout de ligne, c'est le dernier tour qui aura compté. Max Verstappen, le croyez-vous? Il est champion du monde. Sylvie joue arrière. Vieira, où est pour Ribéry qui va arriver devant Casillas? Vas-y mon petit. Parce que fallait oser aller attaquer Casillas et ne pas frapper avant. Il a gagné son duel. Mesdames, messieurs, prosternez-vous, peuple de France. La plus grande équipe de tous les temps triomphe après un match d'une intensité incroyable. Un duel de titans, une domination au-delà de la raison. Un dimanche pour l'éternité. Une étoile de plus au firmament des Bleus. La constellation des experts brille à jamais dans le ciel de Paris. Le monde se prosterne une fois encore devant l'exploit colossal des Français. Gigantesque, fantastique, phénoménal. Allez faire preuve de patience et de maîtrise dans ces derniers instants. Ce ballon vaut très cher. Baptiste Serin le libère. Charles Olivier en pivot. Encore Tamac. Tikou, Tikou, sur un planche. Barcelone. Yes. On est célébré le DA. Yes. Mais c'est fou. C'est incroyable cet essai de Brice Dulin qui permet aux Français de s'imposer avec le bonus offensif. Les Gallois n'en reviennent pas à la 82e minute. Ouh là là. Il n'y a que le tournoi pour offrir ça. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là là.